La dictée Jot 2001 ne fut pas qu'une simple dictée. C'était une organisation réalisée autour d'un hommage rendu à René Trépan à l'occasion de ses 70 ans. Pour ceux qui ne savent pas qui est René Trépan, c'est le créateur de notre cercle d'orthographe et du tournoi orthographique annuel qu'il a imaginé et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Pour ceux qui l'ont connu, c'est un personnage important en ce sens qu'il a, quelque part, orienté une bonne partie de notre vie vers l'orthographe. Si j'ai décidé de lui rendre hommage en 2001, c'est parce que c'est une personne que j'estime particulièrement et je pense ne pas être le seul. Ceux qui ont participé à cette journée s'en souviennent certainement, et plus particulièrement l'un ou l'autre membre que j'avais mis à contribution. La sympathie, la convivialité, l'humour, l'émotion furent de mise lors de cette journée particulière. Le matin, après le petit discours d'entrée, j'ai fait mine que l'on m'appelait en dehors de la salle. Après quelques minutes, je suis rentré habillé en curé. Un sermon humoristique tournant autour de l'orthographe, un autre père et une fable de La Fontaine légèrement transformée, l'aide inattendue, pour lui, de Thierry Lehaus, un chant avec paroles détournées et, je dois bien l'avouer aujourd'hui, une fameuse dose d'humilité de la part de René Trépan, dont je me suis un peu amusé de ses petits travers. Un préambule de mots compliqués annonça enfin la dictée proprement dite, dictée toute particulière puisqu'il s'agissait d'une vingtaine de phrases assez compliquées sur le style de celles qu'inventait régulièrement René Trépan et qu'il les mettait à notre disposition pour nous aider dans notre étude. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver une quantité assez importante sur notre site. Pendant les corrections, les candidats patientaient dans une autre salle en dégustant la spécialité de Nivelles, la tarte à Jot, d'où le nom dicté Jot. L'après-midi, un hommage assez émouvant, cette fois, fut rendu à René Trépan avant la proclamation des résultats. Une petite mise en scène d'une trentaine de minutes relatant toute sa vie avait été préparée. Un souvenir lui fut remis, un dessin représentant la plupart des membres les plus assidus depuis les débuts du cercle. Ce fut donc une journée mémorable, exceptionnelle. Vous allez pouvoir, à travers ce petit reportage, photo et audio, à la fois vous en rendre compte, pour ceux qui n'y ont pas assisté, et vous en souvenir pour ceux qui étaient présents. Je vous souhaite de passer un moment et une visite agréable d'une journée passée, mais qui est encore bien présente dans nos mémoires. À deux pas de chez toi, je parle avec la lune. À deux pas de chez toi, et je bois l'eau du puits, remplie de larmes d'homme. Je repose en silence dans ton ventre de femme. J'imagine et je lance un sourire aux étoiles, je m'enivre et je danse dans la rue comme au bal. À deux pas de chez toi, mon amour me fait mal. L'autre amour, sans mensonge et sans la... Je vous remercie tous d'avoir répondu présent au deuxième et dernier concours d'orthographe que j'organise aujourd'hui. Ouais, ça ressemble fort à ce que j'ai dit l'année passée. On va supprimer le mot dernier si jamais j'en organise encore un l'année prochaine. La phrase est fautive. Je vous remercie donc tous d'avoir répondu présent au deuxième concours d'orthographe que j'organise aujourd'hui.
Oui, mais si je pars du deuxième concours, ça signifie qu'il y en aura encore un troisième. Or, comme je pense quand même que ce sera le dernier, il vaut peut-être mieux supprimer le mot deuxième. On recommence. Je vous remercie tous d'avoir répondu présent au concours d'orthographe que j'organise aujourd'hui. Oui, mais la phrase « que j'organise aujourd'hui » est de trop. On sait que c'est aujourd'hui, puisque c'est pour ça que vous êtes venu. À moins que ce ne soit pour la tarte à Giotte. Et puis, concours d'orthographe est inutile, vous n'êtes quand même pas venu pour jouer au billes. Je vous remercie tous d'avoir répondu présent. Voilà, la phrase d'introduction est plus courte, ça nous a déjà fait gagner du temps. Quelques secondes qui pourraient être précieuses pour la relecture de la dictée. On pourrait encore faire plus court. Je vous remercie. Point. Voilà, on a gagné du temps. Alors, élève Leleu, vous voyez que ce n'est pas si facile de prendre la parole en public. Et dire que vos parents auraient voulu que vous fassiez de hautes études. Quelle déception, élève Leleu. La surprise des candidats quand ils me voient entrer dans la salle a déguisé en curé. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, avant d'entamer notre repas orthographique de ce jour, bénissons notre nourriture spirituelle. Au nom du Père René, notre Sauveur, de ses fils reconnaissants, des saints orthographes, Amen. Notre Père René qui es ici, que ton nom soit sanctifié, que ton règne dictatorial demeure, que ta volonté soit faite à Nivelles comme à Lierre. Donne-nous aujourd'hui notre dictée quotidienne, pardonne-nous les fautes que nous découvrirons dans ta copie, comme nous te pardonnons aussi la rédaction solitaire du règlement apétiste. Et ne nous soumets pas à la tentation de copier sur la feuille du voisin, mais délivre-nous du mal de la nouvelle orthographe. Amen. Père René, je ne suis pas digne de te lire mon texte, mais dis seulement une parole et je te le lirai. Que rendrai-je à René pour tout ce qu'il m'a donné? Je prendrai l'orthographe en ficelle, le dirigerai vers la lumière et invoquerai Père René. Que René Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde l'absolution et la rémission de toutes nos fautes d'orthographe. Rendons grâce à René. Amen. Père René est arrivé, Alléluia. Père René nous a sauvés, Alléluia. Père René est arrivé, sauvé, Alléluia. Père René est arrivé, Alléluia. Père René nous a sauvé, Alléluia. Maître René, sur un arôle perché, tenait entre ses badigouins la dictée de Marchin 2001. Maître Thierry, par l'effluve appâtée, lui tint à peu près ce sabir. Eh, bonjour, Maître René, que vous êtes bel et faible, que vous me semblez smart. Sans mentir, si votre syrinx ressemble à votre camaille, vous êtes le coryphée des amphitryons de ces pignades. À ses congratulations, Maître René ne se fait pas prier. Et pour que l'on admire sa tessiture, il ouvre une ample bouche, laisse choir son précieux trésor orthographique. Maître Thierry s'en saisit aussitôt et déclame « Mon bon René, apprenez que tout turiféraire se nourrit aux dépens de celui qui luit. Cette leçon vaut bien ce texte tant convoité sans doute. » Maître René, penaud et déconfit, jura mais un peu tard que Maître Thierry ne les reprendrait plus. Et voilà comment Thierry Lose espère un jour remporter la victoire au concours d'orthographe de Marchin. Vint ensuite le préambule à la dictée proprement dite,
les corrections, le repas et l'hommage à René Trépan. Je vous donne rendez-vous pour la suite sur une autre vidéo.